J'ai réalisé une vidéo de 1 minute 30 sur les sans-domicile fixe qui, eux, m'inspirent par leur courage, par leur persévérance. Et j'ai réalisé une vidéo d'une minute 30. Et on la regarde, cette vidéo d'une minute 30, entièrement tournée au smartphone. Regardez. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Je vais vous proposer, avant de viser haut, de regarder en bas. Vous savez, ces hommes avec un grand H, pour la plupart du temps méprisés, qui gagnent environ entre 1 centime et 6 euros par jour, qui font face à de difficiles conditions climatiques ou encore à des regards ignorants et même méprisants, regardons-les. Regardons ces sans-domicile fixe qui luttent à obtenir un simple sourire ou de petites attentions de leurs confrères. Mais pourquoi m'inspirent-ils autant? Ces sans-domicile fixe, comme vous dites, m'apprennent beaucoup. Ah oui, ils m'apprennent à grandir, partager, ne pas faire de gâchis, ne pas me plaindre et vivre en fraternité. Nous privilégiés qui nous plaignons car notre chambre n'est pas de notre goût ou pour un manque de sel, nous n'avons pas regardé en bas. Car si nous l'avons fait, nous ne tournerons pas autant. Juste en les regardant, on lit leur peine, leur souffrance, leur détresse. Malgré tout, ils gardent le sourire et l'espoir du meilleur. À notre tour, regardons-les, sourions-les, donnons-leur goût à la vie et vivons en fraternité. J'aimerais leur dire merci. Merci de m'avoir appris à ne plus faire de gâchis. Merci de m'avoir appris à ne plus faire de différence en fonction des gens et de leur classe sociale. Et enfin, merci de m'avoir appris le mot fraternité.